faire savoir que Kiev se préparait à envahir le Donbass et massacrer tant qu'il pouvait et jeter tous les gens dehors. Hein. Il se préparait à ça. Faut dire ce qu'il y a. Bon, Poutine, je l'aime pas tellement parce que ça, c'est quand même un oligarque. Fais ce que tu veux, c'est un gros bourgeois. Mais dans cette affaire-là, quand même, il n'y a pas tout. Donc, ce qu'on dit en tout, hein, ils sont eu une discussion avec mes camarades de politique. Il faut prioriser des choses. C'est quel impérialisme qu'on soutient? Le tout gros ou le plus petit? Et Oui. voilà, c'est toujours délicat. Hein? Bref, mais pour l'instant, le tout gros, celui qui emmerde tout le monde, hein. Lui, c'est l'impérialisme universel, les USA. Universel. Globaliste. Alors, voilà un abonné qui nous vient de Belgique et qui veut nous parler de l'Europe. L'Europe m'inquiète très fort. Voilà. En fait, dès le départ, on nous a trompés. Dès le départ. Bien sûr, comme souvent, on efface les événements ou les informations qui gênent le fil directeur du système. Donc, toutes les informations gênantes disparaissent dans un gouffre, notamment sur Internet, c'est très facile. Parce qu'on fait des recherches, on voit qu'on perd les infos, elles disparaissent. Hein? Par exemple, on va parler à un moment donné de l'ex-Yougoslavie. Il y avait un camp qui s'appelait Jasenovac, un camp de concentration épouvantable. À l'époque, même Hitler disait, vous exagérez. Hein? Bon, mettons. Mais ça, Oui. tout ça, on trouve le. Et alors. Donc, je dois revenir au tout départ de l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre déjà? Je prends l'exemple de la Belgique, moi je suis belge. Oui. Pendant la guerre, le gouvernement en exil et les forces vives, qu'on appelle ça, hein, les patrons, les syndicats, ils se sont réunis à Londres et ils ont discuté comment reprendre la main après la guerre, vu que la victoire de l'URSS allait faire un scoop gigantesque et allait méchamment influencer la classe ouvrière. Donc, il fallait reprendre la main. Donc, ils ont fait ça. Et les Américains, qui ne sont pas les derniers des cons et les premiers des malins pour retourner la situation à leur avantage, ne jamais oublier que le fil conducteur, c'est America First. C'est Oui. la base. America First. Tout le reste, c'est l'enrobage. Ce qui est Alors, qu'est-ce qu'ils normal ont fait? d'ailleurs, ce qui est normal dans Ah leur conception, ce qui est normal dans bon? leur conception de la nation. Ils sont, c'est la loi divine, hein, qui les a désignés comme étant les promoteurs de la démocratie sur la planète entière. Je répète, entière. On va en parler. Donc, hasard du calendrier, Jacques Delors, le père de l'Europe, est mort. Ben oui. Père son âme, et aussi un comparse, Wolfgang Schäuble, le père de l'Europe aussi, le grand financier, c'est l'architecte de l'austérité. Alors, j'aurais bien qu'à me dire un tout petit truc, ça date d'avant-guerre, c'est Jean Jaurès. Tant que le prolétariat international ne sera pas assez organisé pour amener l'Europe à l'état d'unité, l'Europe ne pourra être unifiée que par une sorte de césarisme monstrueux, par un Saint-Empire capitaliste qui écraserait à la fois les fiertés nationales et les revendications prolétariennes. Le gars-là, on l'a tué avant la guerre 14. Mais il voyait clair, hein? Il n'y a pas à dire. Et le. Je ne sais pas si on le voit, le césarisme monstrueux, c'est ça ici. C'est Oui. l'Empire. Bon. Avant 14, hein, c'est Avant l'Empire allemand. 14. Oui. Il est toujours là, l'Empire allemand. Oui. Pas en face, hein, mais il est là. Et juste un détail, nous ne voulons pas d'une domesticité internationale, c'est bien. Nous voulons l'international de la liberté, de la justice et du droit ouvrier. C'est bien écrit. Un petit détail près, c'est que le site, le site, c'est le type dans le coin. Hein. Oui, non. Alors, j'insiste tout le temps auprès de mes collègues, l'Europe, c'est un continent.
Ce dans quoi pour l'instant on vit, c'est l'Union européenne, cette structure politique qui dirige les 27 pays du continent. Le reste, par l'Europe capitaliste. Hein, voilà. Donc le vrai pouvoir dans l'Union européenne, ce n'est pas ce Parlement croupion, hein, ils sont 702 là, pourquoi faire, hein, il est infesté de lobbyistes. À Bruxelles, il y a un minimum de 10 000. 10 000, mais c'est extraordinaire. Hein. Voilà. Ils courent dans les couloirs. Pardon, pardon, pardon. Bah oui, ils sont partout. Voilà. Et ils sont sous la coupe de la Commission, du Oui. Conseil. C'est eux qui dirigent. Ursula, c'est la Commission. Et le Conseil, c'est mon pote du MR en Belgique. C'est Charles Michel. Tous les deux, ils gagnent 30 000 patates par mois. Ah, ils sont bien. Ils sont bien. Anecdote, ils sont Oui. là et il ne reste plus les règlements de l'Europe, ils décident de n'importe quoi, ils font des prêts, ils envoient des armes, c'est extraordinaire. Et le fameux Parlement croupion, je ne sais pas quoi c'est, voilà. Tout cela, c'est sous la coupe des États-Unis d'Amérique, hein. Ils dirigent rien, tout le temps. Et alors, pour toujours parler un peu d'histoire, l'Europe, c'est pas nouveau, dit l'Europe. Elle date du bolchevisme. La lutte contre le bolchevisme. En marche, la Oui. propagande allemande. Hein? Ça date de là, le mot Europe qu'on nous inculque. Hein? Ils étaient déjà là, les Allemands. Ils dirigent tout depuis. Hein? Ils étaient déjà là avec la fameuse Europe des régions. Aïe, aïe. L'Union européenne a été créée par le grand business, la grande industrie, les banques et tout ça. Et comme c'est l'ADN, ça ne se change pas. Donc c'est tout le temps comme ça. Tant qu'on reste dans cette Europe-là, c'est ça qui dirige. En plus, donc, ils ont fait le règlement et les lois de façon qu'on ne puisse pas les changer. Dès le Oui. départ, les USA ont voulu contrôler l'Union européenne. En fait, l'Europe qui arrive maintenant, c'est vraiment l'aboutissement de la géopolitique américaine. Alors, maintenant, on arrive à l'extension. Il y a les candidats à l'adhésion. On peut bien remarquer que on voit qu'il y a un groupe de pays là, qui apparaît, comme la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et tout ça, hein, Oui. l'Albanie. Ça, c'est la première guerre européenne. Hein. C'est là qu'on a démantelé la Yougoslavie, à coups de bombes et des armes spéciales qui flashaient les légions contre les Oui, murs, comme avec les guerres, hein, à l'époque. Hein. Et des particules jetées par les avions et qui mettaient en court-circuit les centrales électriques. Hein, ils ont détruit toute l'infrastructure civile. Là, c'est l'OTAN qui a fait ça. Avec le couvert de l'Europe, la communauté européenne. Et il faut savoir aussi que, un petit détail, ils passent là un grand fleuve, le Danube. Et ça intéresse l'Allemagne. Et l'Allemagne s'est intéressé de démanteler la Yougoslavie, l'Allemagne. Oui, évidemment. Ils sont un petit peu Et puis les bêtes quatre. États-Unis, et les États-Unis. Eux, ils sont tout le temps là. Alors, paradoxalement, je dirais, l'Union européenne, c'est comme Israël. Ça n'a pas de limite, pas de frontières fermes et définitives. C'est tout le temps en expansion. Tout le temps. Cela, bien sûr, nécessite le démantèlement des États-nations, accompagné de quelques guerres. Bon, jusqu'à la fin, peut-être, je ne sais pas. Et puis, on passe à l'image du couple idéal, Totenberg et Ursula. Merde, quand j'ai un tic. L'Union européenne, ce sont les USA. L'OTAN, ce sont les USA. Donc, pour entrer dans l'UE, il faut être membre de l'OTAN. Premier, tu deviens membre de l'OTAN, puis tu peux venir dans l'Union européenne. Donc, on voit bien qui dirige réellement l'affaire. Et puis, il y a la photo de ma copine, Ursula. Hein. Elle était ministre de la Défense en Allemagne. Elle était dans les magouilles. Je pense qu'elle a battu tous les Belges réunis, parce que nous Bien aussi, sûr, oui, bien entendu, oui. elle a battu tous les Belges réunis. Et alors, elle a eu une planche de secours à l'Europe. Oui. On l'a placé. Moyennant, couche-toi sur ta tête, mais tu me rends la monnaie. Hein? Ça marche ainsi, le business. Hein? Je te couche sur la tête, mais tu me rends la monnaie.
Et l'Union européenne, mais il y a assez de scandales, c'est le royaume des lobbies, de la corruption. Bref, c'est le capitalisme, quoi. Dernier avatar, le Qatar Gate. Hein? On apprend Ah, tous les le jours, on cap. nous parle de faire disparaître l'argent physique. Hein? Et comment Oui, ils vont oui, oui. par les portefeuilles, hein? Dans Et les pourtant, valises, les billets. plus de centaines de milliers d'euros. Comment ils vont Oui. faire? Comment ils vont faire pour transporter ça? Alors après, nous arrivons à le parallélisme entre l'Union européenne et l'OTAN. Il est quasi parfait. Les pays membres de l'OTAN et les pays membres de l'Europe, Ouais, c'est quasi enfin, ça. il manque la Turquie, quoi. On se rend compte que tout d'un coup, que l'Allemagne, qui est le moteur économique de l'Europe, faut pas, hein, c'est eux. Oui. Ils empochent tout et construisent tout, en gros. Et on se rend compte que c'est qu'ils ont bien vécu dans le marché capitaliste mondial grâce au prix du gaz russe, qui est très bas. Tout à Ah, fait. oh, on se rend compte après coup. Ah bon? Et alors, ben, on se rend compte aussi que les Américains, nos alliés, ceux qui nous ont libérés, c'est ça? Ouais. Ah ben, ils sont en train de faire dérailler le wagon, non, le train allemand. Et des entreprises comme Volkswagen et d'autres, de la chimie aussi, délocalisent et quittent Oui, l'Allemagne. oui, Donc, l'Allemagne est en récession et tout le reste, on va suivre. Hein. Voilà. Donc, c'est une décision stratégique américaine de casser la machine économique de l'Union oui. européenne. Parce qu'il n'y a pas que les Russes, les Américains, c'est tous. Les Oui. Américains, tout le monde l'aime. Tout le monde est un adversaire. Même les copains de l'euro. Du coup, on nous refile du gaz de schiste 4 fois plus cher. La Russie, elle vend aussi le GNL, le gaz liquide. Oui. Elle en vend même beaucoup plus, ce qui fait qu'avec la différence de prix, elle gagne plus qu'avant. Bien sûr. Donc, grâce aux USA, qui prétend combattre la Russie et la guerre d'Ukraine, eh bien, ils renforcent la Russie et la guerre d'Ukraine. Allez, les gars, faut tourner à l'école, hein, parce que hein, ça ne va plus. Parce que la Russie, c'est un immense pays avec plein de pépettes en dessous. tout plein, du diamant, du pétrole, du gaz. Mais qu'est-ce que c'est qu'ils font avec ça, ceux-là? Allez, on va la France, c'est tout. Voilà. Mais ça vient des think tanks américains qui ont réfléchi au démantèlement de la Russie. C'est dingue, Oui. hein? Donc, je dis, la menace mondiale pour l'humanité, c'est la triade. USA, UE, OTAN et les pays satellites, Oui. comme l'Angleterre, le Japon. Hein. C'est ce qu'on appelle l'Occident collectif. La fameuse communauté internationale. Alors, on voit à la télé, la communauté internationale d'ici a dit là, ils sont même pas un quart de l'humanité. Je sais pas de qui ils parlent. Hein? Donc, on a un problème en Europe. On n'a plus de force de gauche, réellement de gauche. Hein? C'est tout entre guillemets, des suceurs de l'orteil, hein? Parce que. Oui, parce que la gauche européenne, enfin la gauche en général, est manipulée par Washington. Mais les gens sont pas bêtes quand même. Faut pas croire. Hein? Les ouvriers, tout ça, la base, les sans-dents, hein? Voilà. Ils sont pas cons quand même. Ils se rendent bien compte qu'on les entube. Hein? Ils sont pas cons. En France, on ne peut pas voter. Il y a 50% qui vont à la pêche. Hein? En Belgique, 90% qui votent encore. Ben bon. Hein? Ils votent n'importe quoi que demain. Ou alors, par réflexe, papa a voté PS, mon grand-père a voté. Hein? Voilà. Mais ils n'ont pas de perspective, ils n'ont rien. Alors les autres, ce qu'il faut, ils votent extrême droite. Et ils vont changer les choses, parce que c'est ce qu'ils disent. On va changer. Hein? Et alors, nous, dans le temps, on a eu Léon de Grelle. Il avait un balai comme Bon, symbole. ben d'accord, Mais mais ça, c'était vraiment l'extrême droite de Grêle. Alors que, bon, ces gens qui se présentent là, ce n'est pas l'extrême droite, hein, soyons sérieux. non, c'est des gens. Hein? Non, mais. Non, mais c'est l'extrême droite. Cette droite-là. La bourgeoisie, cette droite-là. C'est la même main du capitalisme. Hein. C'est la même main. On va pas faire un exposé là-dessus, mais ils sont complices. Sur le fond, ils sont complices.
Alors, Marine Le Pen, parce que les médias jouent aussi un jeu, Marine Le Pen est jugée deuxième politique la plus compétente derrière Édouard Philippe, selon un sondage. Voilà, ça c'est le grand terme consacré. Oui, le sondage, oui. Avec le choix droite, extrême droite, hein. Non, pas le choix, Ouais. les gars. Alors, à gauche va se réunir, on va voter pour Édouard Philippe pour barrer la route aux fachos. Et voilà, elle est Bon. passée musicale. Donc, je dis, comme partie d'à quoi c'est désir dans l'eau, elle se dilue. Les partis d'extrême droite, après des années d'opposition populiste, ils finissent par s'assimiler, trompant leurs électeurs. Mélanie, hein, elle était anti-anti, et maintenant, c'est Carpet Blanc, tu connais la marque? C'est Carpet Total. Carpet Total. Ouais. La petite fille de Mussolini, là. Donc, je mets dans le Slack avec ma copine Ursula. Oh, merde, mon contact. J'ai toujours un tic avec ça, je ne sais pas pourquoi. L'Union européenne est compatible avec les Mussoliniens italiens. D'ailleurs, on donne des baisses, tout va bien. Moi, j'étais délégué syndical. Il y a des patrons qui sont normaux, tu sais, ils font le boulot de patron. Et puis, on a des enfoirés aussi. Il ne m'arriverait pas à prendre le patron, le serrer dans mes bras, tout ça. C'est un enfoiré, c'est l'enfoiré. Et là, c'est un enfoiré. Donc, je ne fais pas de. Hein. Mais, Ursula, avec Mélanie, on fait des bisous, bisous. Ça va? Parce que c'est eurocompatible. Et voilà. Europarti compatible avec tout ce qui permet l'exploitation des travailleurs. Alors, à ce moment-là, ça passe. On met de l'huile, ça glisse. Voilà. Et puis maintenant, en Hollande, Geert Wilders, encore un clown là, dangereux. Hein? De nouveau, je reviens avec l'absence d'alternative de gauche. Crédible. Crédible, parce que c'est ce qu'on appelle gauche. Hein? Voilà. Donc, en finalité, nous avançons en marche forcée, ben, ça va vite, hein? Vers une Union européenne en voie de fascisation et sous la domination militaire et économique des US, hein? Où le plus grand malheur des peuples d'Europe. Hein? Entre guillemets, l'Europe, la vraie, le continent. Il est plus que temps que les citoyens démocrates de gauche, les travailleurs, se réveillent pour stopper cette catastrophe en cours. Hein. Déjà, en ne participant plus à la comédie, à la tromperie de l'Europe sociale et de la fausse démocratie électorale en 2024. En clair, je dis quoi? En Belgique, nous avons cinq élections en Oui. 2024. Alors, donc, je prône le fait de ne pas voter pour les Européens. Ça sert à rien. C'est une machine Oui, de mais guerre il faut bien, construite mais contre. il faut bien voter pour quelqu'un. Donc, aux Européens, il faut voter pour quelque chose, un opposant, peut-être. Il n'y a pas. Si tu votes pour un opposant, il y a des opposants, hein. Et quel genre? Bah, mettons. Oui, il y a des opposants, mais ils ne s'opposent à rien. La structure est faite comme si pas changé. C'est fait comme ça. L'Union européenne, c'est une structure inventée, je dis l'ADN, inventée par la bourgeoisie et dont les règlements sont faits comme si pas changé les règlements. C'est fait pour ça. Voilà. D'ailleurs, il faudra m'expliquer qui, quand et comment a pu changer un traité, hein. Là, lors du vote pour les européennes, il faut s'abstenir? Ben oui, Ben voilà. non, non. Bon, ça, je Il faut... peux pas voter. Pour toi, il faut Chez nous, le s'abstenir. vote. Non, je vais là-bas, je dessine une banane, où je colle la Toi, photo d'Ursula. tu votes blanc, alors. Oui, je vote blanc. Et ça, Abstenu. c'est compté le vote blanc en Belgique? Ah. Ben, écoute, je ne sais même pas. Ça m'intéresse pas, en plus. Ah ben si, parce que si les votes blancs ne sont pas comptés, ça ne servira à rien de Oui, voter blanc. mais attention, les gens au pouvoir, ils s'en foutent de ça. Ah Si oui, mais... maintenant un parti qui attraperait beaucoup de voix, là, ça les embêterait beaucoup plus. Mais beaucoup, beaucoup, hein. Hein, voilà. Et alors, qui? Qui?
Ou est-ce qu'il y a un parti qui veut vraiment changer les choses? Ça ne va pas changer l'Europe. Il faut la démonter et reconstruire Mais la d'autres. démonter comment? Par un peu comment? Il faut la démonter, ça veut dire Par supprimer l'Europe. l'intérieur, alors. La démonter par l'intérieur, mais pas par. Il n'y aura pas de révolution contre l'Europe. Ça sera quelque chose de démocratique quand même, non? L'Europe n'est pas démocratique. On n'est plus On ne aux sait ères pas. de révolution. On ne sait pas, hein, les choses changent, hein, dans la vie. Voilà. Oui, pas problème, pas problème. Je n'y crois pas, Mais regarde. la politique a le temps long. Je répète, la politique a le temps long, qui dépasse même notre propre vie. Nous sommes dans la marche de l'humanité qui va avant tout le temps. Et le temps passe, nous serons morts, d'autres seront morts. Et puis les choses changeront parce que les esprits évoluent. Et grâce à la technologie, le capitalisme tresse la corde qui va le pendre. Ben ça, c'est l'image de ça. Ça permet une démocratie incroyable. Je suis sur Internet des événements au Sahel, en Oui. Ukraine, en Palestine et tout ça. Ouais. Donc, nous avons un instrument, au moins pour s'informer. Le problème, c'est qu'il faut s'organiser. Et c'est là qu'il faut trouver des pilotes qui savent conduire. Voilà. C'est vrai. C'est vrai.